Bonsoir Lionel. Bonsoir Mohamed, ça va Ça bien? va? Alors, comment ça se passe le confinement? Ben, ça commence à se déconfiner. On a pu aller faire un petit tour dans la forêt hier, c'était très agréable. Ah, ben c'est bien, c'est parfait. Oui, donc déjà merci Lionel d'avoir accepté de partager ton expérience avec nos amis, bien sûr, algériens, marocains et africains. C'est un vrai plaisir. C'est un Ouais, vrai est-ce que plaisir. tu peux, dans un premier temps, te présenter à nos amis hein, qui vont te suivre demain? Ben écoutez, bonjour à tous. C'est un vrai plaisir de pouvoir échanger avec vous. Donc, Lionel Seguin, je viens d'avoir 50 ans. Je suis professeur agrégé d'éducation physique et sportive. J'interviens depuis 10 ans à l'Université de Lorraine, avec laquelle j'interviens. Je vois beaucoup de jeunes sportifs du haut niveau de toutes disciplines, mais aussi des étudiants classiques. Je suis entraîneur de basket, entraîneur brevet d'État premier degré. J'ai travaillé longtemps et entraîné sur le centre de formation du SLUP Nancy Basket, qu'on a aussi mis en place dans sa version du plus haut niveau. J'entraîne aujourd'hui uniquement à l'université, notamment avec les étudiants de Sciences Po. Et depuis 20 ans, je suis passionné par la préparation mentale et j'y interviens depuis une bonne dizaine d'années avec, dès le début, des basketteurs. Lors de stages, des jeunes basketteurs de 15 à 20 ans, des jeunes professionnels, et puis aussi dans d'autres disciplines comme le tennis, la natation, voilà. Parfait, joli parcours. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu de quoi tu vas nous en parler demain? Avec plaisir. C'est déjà dans un premier temps, je pense que c'est vraiment d'expliquer le plus simplement possible en essayant de partager des documents. Qui permettront à tous de bien comprendre qu'est-ce que la préparation mentale aujourd'hui, finalement de façon assez transversale pour tous les sports, quels sont ses outils, d'accord, quels sont ses domaines d'intervention, et puis derrière d'essayer de voir quels sont ces outils qui sont immédiatement utilisables pour tous les entraîneurs dans leur boulot quotidien avec des jeunes de 15 à 18 ans. Dans le sens où je pense que c'est effectivement le moment de commencer l'apprentissage de ces outils, puisque la préparation mentale, comme la technique, comme la tactique, comme le physique, c'est un travail et il faut faire comprendre aux jeunes cette démarche mentale. Hein, ce n'est pas juste une clé, ce n'est pas juste une seule fois, mais c'est un vrai travail. Et c'est ça qu'il faut bien faire comprendre, mais tout ça, et en plus, les outils sont assez simples à intégrer. Donc, c'est ce que je souhaite faire partager avec tout le monde. Parfait. Ah ben écoute, impatient de suivre aussi, hein, parce que moi aussi je vais découvrir. Donc, on donne rendez-vous demain à nos amis, donc bien sûr algériens, marocains et puis nos africains. Donc, demain à 16h30, heure française, 14h30, GMT. Encore merci Lionel et puis à demain. Merci beaucoup Mohamed, à demain avec grand plaisir. Bonne soirée. Parfait.